Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des diodes, un composant super simple qu'on retrouve à plusieurs endroits. Parfois, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer parfaitement son fonctionnement et ensuite, je vais donner quelques applications où on peut retrouver la diode dans quelques circuits. Donc la diode, c'est un composant super simple qui nous permet de faire circuler le courant dans une seule direction. Une analogie super simple, ce serait avec l'hydraulique. Comme vous voyez ici, c'est un conduit hydraulique où on se fait circuler l'eau. Et la diode correspond au clapet au milieu de ce tuyau hydraulique-là. Donc lorsqu'on fait circuler l'eau dans une seule direction, le clapet ouvre et l'eau circule. Si on veut faire circuler l'eau dans l'autre direction, l'eau va pousser le clapet en sens inverse qui va bloquer en fait la circulation d'eau et l'eau ne pourra pas circuler. La diode en électricité, c'est la même chose. Le courant peut circuler dans un sens. Lorsque le courant veut circuler dans le sens inverse, il va être bloqué par la diode. Donc, il existe beaucoup de sortes de diodes, mais pour la diode standard, on va utiliser ce symbole-là lorsqu'on fait des conceptions schématiques. Et en dessous ici, vous pouvez voir le symbole réel lorsqu'on a une vraie résistance through-hole, donc avec des pattes qu'on veut souder sur un circuit. Donc, les deux sont très similaires. On retrouve d'un côté la barre, qu'on va vraiment retrouver sur le composant réel. Donc, lorsqu'on veut souder un composant sur une plaque circuit imprimé, il faut aligner la barre du symbole schématique avec la barre qu'on retrouve sur le composant. C'est cette indication-là qui nous permet de justement placer le composant dans le bon sens sur nos circuits imprimés. Donc, évidemment, sur les composants avec des pattes through hole qu'on appelle, il va y avoir cette distinction-là, mais aussi sur les composants qu'on va trouver qui sont surface mount, donc composants de surface, plus petite taille, on va aussi retrouver une indication puisque les diodes, c'est des composants qui sont polarisés. Donc nécessairement, il va toujours y avoir une indication, exactement comme les DEL, puisque une DEL, c'est une diode électroluminescente. Donc c'est une diode qui émet de la lumière. Donc c'est des composants qui sont polarisés, donc on va toujours retrouver une indication qui va nous permettre de le placer du bon côté sur notre circuit imprimé. Évidemment, si il y a une polarisation lorsqu'on le place sur le circuit imprimé, nécessairement il y a une polarisation aussi sur les dessins schématiques qu'on fait à l'ordinateur. Donc tout ça pour dire que la diode, c'est un composant polarisé qui a vraiment un sens. On peut pas le mettre dans les deux sens comme par exemple une résistance. Comme vous voyez sur le symbole ici qui correspond au symbole schématique standard de la diode, vous allez retrouver à gauche l'anode et à droite la cathode. Il y en a qui vont appeler ça plutôt le plus, le moins, le positif, le négatif, ou l'anode, cathode, c'est tout des synonymes. En fait, l'anode, c'est la broche où on va entrer le signal, et la cathode, c'est la broche où le signal va sortir. Si on essaie de rentrer un signal par la cathode, il va être nécessairement bloqué par la diode. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais expliquer pourquoi au niveau des tensions, comment la diode fonctionne. Mais tout simplement, lorsqu'on entre un signal à l'anode, il va ressortir à la cathode, mais pas à l'inverse. Pour ce qui est des LED ou des DEL, en anglais c'est LED, mais en français on appelle ça une DEL, pour diode électroluminescente, le branchement est exactement le même. Comme vous voyez le symbole schématique, exactement pareil. Tout simplement, on a ajouté deux flèches pour indiquer que la diode émet de la lumière. Mais encore là, il faut la brancher dans le bon sens avec l'anode et la cathode. Donc, comme je viens de mentionner un peu plus tôt, le signal qu'on va faire entrer va être par l'anode et ce même signal-là va sortir par la cathode. En fait, il faut savoir que la diode va avoir une tension qui va faire tension de seuil qu'on va souvent déterminer par 0,7 volts. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que cette tension-là peut varier, tout dépendant le courant qui va circuler dans la diode, mais on met une tension standard à 0,7 volts pour les calculs simples. Cette tension-là va être nécessaire pour faire traverser le signal. Si par exemple une tension de 0,5 volts, la tension, si on a un courant trop élevé, le signal ne passera pas l'autre côté de la diode. Il faut absolument avoir ce minimum de tension-là pour que le signal puisse traverser. Donc, nécessairement, ça implique que le signal de sortie va être 0,7 volts plus bas que le signal d'entrée. Donc, si on fait entrer 5 volts, il va nécessairement avoir 4,3 volts à la sortie. Ça, c'est nécessairement puisque la diode consomme une certaine tension, exactement comme une DEL ou une LED qu'on va faire éclairer. Donc, lorsqu'on branche une LED dans un circuit, la plupart du temps, ça va être du 1,8 à 2 volts. Donc, il va y avoir une baisse de tension qui va correspondre à la tension forward voltage en anglais,
qui va nous permettre de faire alimenter la DEL. Pour la diode, c'est exactement la même chose, sauf que la tension est plus basse. Certaines diodes vont consommer moins, en fait, ils vont avoir une tension plus basse, qui va être dans l'ordre de 0.3 volts. Plus on baisse cette tension-là, plus la diode devient parfaite, mais il va toujours avoir une baisse de tension selon le courant consommé. En fait, la courbe de tension de la diode ressemble la plupart du temps à ça ici. Donc, on aurait dit une courbe exponentielle, en fait, parce que de 0 à 0.7 volts, la diode ne conduit pas. Lorsqu'elle atteint son seuil de 0,7 volts, la diode va commencer à conduire. Donc, elle va permettre de circuler le signal d'entrée vers, vers la sortie, donc de l'anode à la cathode. Et si on regarde de l'autre côté du diagramme, on va remarquer que c'est si on branche la diode en inverse. Donc, si par exemple, on utilise la diode classique qui est la 1N4007, donc la diode va permettre, elle va bloquer, elle va faire en fait un blocage jusqu'à 1000 volts. Donc, puisque c'est ses caractéristiques maximales de la diode. Donc, en inverse, la diode va bloquer, va bloquer, va bloquer. Et à 1000 volts, la diode va flancher. En fait, elle va être plus assez bonne pour bien fonctionner. Donc, à 1000 volts, elle va conduire puisqu'on a dépassé ses caractéristiques nominales. Un autre graphique qu'on va retrouver souvent dans les fiches techniques des diodes, c'est ce graphique-ci qui correspond à la tension forward voltage, tension de seuil de la diode, versus le courant qui circule dans cette diode-là. Donc, comme vous voyez, le 0,7 de tantôt que je mentionnais, qui est mentionné comme standard, en fait, on va retrouver la plupart du temps 0,7, 0,6 ou 0,8 dans ces eaux-là, parce que c'est la plupart du temps selon le courant moyen qu'on utilise la diode. Par contre, il faut savoir que si on veut aller dans des calculs plus avancés, le 0,7 peut varier aussi. En fait, comme vous voyez ici, selon le courant consommé, par exemple, on va consommer plusieurs milliampères, voire quelques ampères, la tension seuil, le forward voltage de la diode, va augmenter, peut augmenter jusqu'à 1 volt et plus. Donc, le 0,7 n'est plus bon si on veut avoir des calculs plus précis. Donc, très important de regarder dans la fiche technique les graphiques comme celui-ci afin d'avoir toujours les bonnes valeurs. Mais si c'est simplement dans des petits circuits pour expérimenter, vous pouvez prendre la valeur de 0,7 volts comme forward voltage ou tension de seuil. Comme ça, vous allez être sûr que vous n'allez jamais oublier que la diode a une perte de tension. En fait, que c'est comme si vous rentrez 5 volts, vous allez avoir 4,3 volts à la sortie afin d'avoir toujours des bons résultats lorsque vous faites vos circuits. Donc, trois autres caractéristiques super importantes à vérifier lorsqu'on cherche une diode dans les fiches techniques, c'est de vérifier le forward voltage, la tension de seuil qu'on parle depuis tout à l'heure, qui correspond la plupart du temps à 0,7 volts. Pour la diode 1N4007, comme vous voyez, j'ai montré le graphique, ça va varier. C'est cette tension-là qu'il faut vérifier. Il faut vérifier aussi la tension en reverse voltage, donc la tension que maximale que la diode va pouvoir bloquer en inverse correspond par exemple à la 1N4007 correspond à 1000 volts et finalement le courant qui va circuler dans la diode current, forward current qui va correspondre à 1 ampère pour la diode 1N4007. Donc c'est tous des paramètres qu'il faut vérifier puisque si par exemple on prend une diode qui supporte pas un assez haut courant qui est qu'on branche sur l'alimentation secteur, évidemment la diode va brûler ou elle ne va pas supporter la charge qu'on y a mis, évidemment, le circuit ne fonctionnera pas bien. Donc, maintenant que vous comprenez la base du fonctionnement d'une diode, je vais vous expliquer quatre applications super simples et très connues là où ce qu'on utilise des diodes. Donc, la première application de la diode, c'est principalement pour passer d'un courant alternatif vers un courant continu. Si on place seulement une diode dans notre circuit, comme ça ici, on va garder seulement l'alternance positive puisque l'alternance négative va être coupée étant donné que le courant peut circuler seulement dans une direction. Par contre, si on utilise quatre diodes, un schéma comme ça ici par exemple, on va pouvoir conserver les deux alternances, soit la partie négative va être devenue positive et la partie positive va être restée positive. Ainsi, on obtient cette forme d'onde-là qui va être souvent utilisée dans les alimentations linéaires afin d'avoir de meilleures performances puisqu'on a toutes les alternances contrairement à la précédente où on avait une alternance sur deux. Et ainsi, on va avoir une meilleure puissance et après ça, on va avoir d'autres circuits de filtrage et pour mettre des condensateurs et de régulation de tension afin d'avoir une alimentation linéaire standard. Mais à la base, c'est simplement quatre
4 diodes, un pont de diode qu'on appelle, qui va permettre de passer le courant alternatif en courant continu. Donc dans la même vague d'idées, on peut utiliser la diode si on veut couper une partie de signal qui est négative. Si par exemple on a un signal sinusoïdal où on a du bruit électrique par exemple qui est de moins 5 à plus 5 volts et on utilise une seule diode, à la sortie on va avoir un signal uniquement positif. Par contre, il ne faut pas oublier que la diode, il y a une tension seuil qui est de 0.7 volts qui va affecter aussi la tension de sortie. Cette tension seuil-là, par exemple, pour l'exemple donné, la tension de sortie va correspondre à 0,7 volts étant donné que ça prend 0,7 volts avant que la diode conduise et le maximum va être rendu à 4,3 volts étant donné que la diode consomme 0,7 volts. Ainsi, on a un petit peu de perte à chacun de côté. Encore là, si par exemple on consomme moins de courant, la tension seuil va être probablement plus basse. Mais il faut quand même tenir compte de cette perte de tension-là qui est due à la diode. Une deuxième utilité de la diode, ce serait d'utiliser la diode comme ça ici, qu'on appelle un protecteur de surtension ou voltage clamp en anglais. Ça va nous permettre de rentrer un signal par exemple de 0,24 volts en sinusoïdal et de l'avoir en sortie. Évidemment, la sinusoïdale va être coupée, mais ça va nous permettre de l'avoir en sortie à une tension désirée. Par exemple, si les deux diodes sont placées ici à une tension de 5 volts et la tension d'entrée, c'est 24 volts. À la sortie, on va être limité à 5 volts puisque tout ce qui va avoir été en haut de 5 volts va avoir poussé vers l'alimentation positive VCC que vous retrouvez ici. En fait, il faut encore calculer le 0,7 volts de la diode qui est là. Donc, on va avoir une tension de sortie pas tout à fait à 5 volts. Par contre, le principe fonctionne très bien quand même. Il faut savoir qu'on va utiliser ce genre de circuit-là, par exemple, dans des entrées de signaux. Par exemple, une entrée de microcontrôleur qu'on veut limiter. Si, par exemple, il peut y avoir des bruits électriques à des tensions élevées, on va utiliser ce principe-là pour limiter la tension avant d'aller dans un circuit microcontrôleur ou circuit TTL, par exemple. Une troisième application de la diode, ce serait un schéma comme ça ici, qui correspond à avoir deux alimentations de tension différentes. En fait, en branchant une alimentation, par exemple, ici de 12 volts sur l'alimentation secteur et une batterie de 9 volts. Si, en mettant toujours l'alimentation secteur branchée, c'est celle-là qui prédomine puisqu'elle est supérieure à la tension de la batterie. Par contre, si l'alimentation secteur est débranchée, il y a seulement la batterie qui reste. Ainsi, là, c'est la batterie qui prend le relais pour alimenter le circuit. Il faut remarquer que si les deux alimentations sont branchées en même temps, ça ne cause pas de problème puisque l'alimentation secteur est supérieure à celle de la batterie. Ainsi, si on regarde au niveau de la diode, pour la cathode, il va y avoir 12 volts et l'anode va avoir seulement 9 volts. Donc, on n'atteint même pas la tension seuil pour faire circuler le courant dans cette diode-là. Ainsi, on n'aura aucun problème à faire circuler l'alimentation 12 volts dans notre circuit pour l'alimenter lorsqu'on est branché sur l'alimentation secteur. Et lorsqu'il y a une panne de courant, par exemple, là, c'est la batterie qui va prendre le relais. C'est un circuit très, très simple qui nous permet de faire une batterie de secours pour avoir branché notre circuit lorsqu'il y a une panne de courant, panne d'électricité, ou simplement si notre alimentation secteur est défectueuse, ainsi on a le relais de la batterie qui va prendre le circuit en charge. Donc la quatrième application de la diode, c'est la plus connue, celle que vous retrouvez juste ici, qui correspond avec la diode de roue libre. Cette diode de roue libre-là, on va la placer aux bornes des charges inductives, comme des relais ou des moteurs, puisque ceux-ci causent des hausses de tension lorsqu'on les arrête subitement. En fait, lorsque les charges inductives sont placées aux bornes au bout d'un transistor ou d'un interrupteur comme ça ici, lorsqu'on ferme le transistor ou l'interrupteur, la charge inductive a la caractéristique particulière de s'opposer aux variations de courant. Donc ainsi, en le fermant brusquement, il va avoir une tension qui va augmenter dramatiquement aux bornes de la charge inductive, ce qui peut endommager l'interrupteur ou le transistor puisque les transistors ont des tensions maximum à respecter. En plaçant la diode de roue libre aux bornes de la charge inductive, lorsque on va fermer l'interrupteur ou le transistor, la charge inductive va pouvoir se vider à l'intérieur, en fait, en utilisant la diode à l'intérieur d'elle-même, ce qui va créer qu'il n'y aura pas de pic, en fait, de tension élevée qui pourrait endommager le transistor. Donc, il est recommandé de toujours, toujours utiliser des diodes de roue libre lorsqu'on a des charges inductives comme des moteurs ou des relais pour éviter d'endommager notre circuit qui peut même aller jusqu'à notre microcontrôleur si on est malchanceux.
Donc, il ne faut pas oublier de mettre la diode dans ce sens-là, le sens inverse, puisque lorsqu'on va alimenter notre circuit, la diode va bloquer et la tension n'aura pas le choix de circuler via la charge inductive. Mais lorsqu'on va fermer le transistor ou l'interrupteur, la charge inductive va pouvoir se vider par elle-même dans la diode de roue libre. C'est pour ça qu'on appelle ça une diode de roue libre, puisque l'énergie va tourner en rond jusqu'à temps que l'énergie soit trop faible pour passer le seuil de la diode. Donc, pour plus d'informations sur la diode et ses applications, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Pour plus de projets, de théorie et de programmation, rendez-vous sur pbelectronique.com.